officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Dans le rap ivoirien, il n'y a pas quelqu'un qui est plus en train de pouvoir faire bouger les choses que Didi B. Didi B a fait une nouvelle interview cette fois-ci sur Live TV et il a sorti de nouvelles informations. Et toujours concernant Ramba Junior, il n'est peut-être plus dans la musique, mais il continue à alimenter les discussions. Yo, salut les amis, encore une vidéo assez rapide concernant la deux news. Je vais vous parler d'une information qui est sortie peut-être la semaine passée, au moins je tourne cette vidéo-là, mais qui est quand même d'actualité. Et cela concerne encore Didi B, qui continue à faire parler de lui depuis la sortie de son nouvel EP. Bon, son EP qui va sortir bientôt, mais depuis son clip est sorti, premier extrait de son album qui va sortir, sa mixtape Mojo Trône 2. Et on a enfin une date de sortie et tout ça. Mais tout ça, c'est que tout simplement, depuis qu'il est revenu, avant la sortie de son album Mojo Trône 2 qui sera pour mai 2022, il continue de multiplier les interviews et les interactions assez pertinentes et assez palpitantes. Il a déjà exprimé concernant son top d'artiste et tout le monde a compris que vraiment c'était du second degré lorsqu'il a dit qu'il voyait comme numéro 1 Billy Billy et Ramba Junior. On a tous tiqué pour dire « What ?» Mais il continue dans son délire en tout simplement disant que lui, tout simplement, ça ne le dérange pas de produire Ramba Junior parce que c'était son bon petit avant. Donc, le produit actuellement, ça ne le dérange pas du tout. C'est vrai que Ramba Junior a eu quelques petits frottements avec Kif Nobid et tout ça, mais le petit est dans son délire de game, il est dans le game, il est dans le rap et tout. Bref, il est dans son délire à lui. Mais il dit que lui, ça ne le dérange pas du tout de voir produire Ramba Junior. Donc, ne nous étonnons pas par la suite. Si Ramba Junior commence maintenant à demander des comptes à Didi B, des comptes dans le genre où tu as dit à la télé que tu vas me produire, Dieu paix, c'est comment? Et nous n'étonnons pas aussi par la suite si Didi B décide maintenant d'être le producteur de Ramba Junior. Bref, Didi B, avec la sortie de Mojo Trône qui s'annonce pour mai 2022, va forcément faire bouger les choses dans le rap ivoirien. Il y aura forcément un deuxième clip qui va sortir, mais avant la sortie de ce deuxième clip-là, il continue à faire bouger la toile avec tout ce qu'il y a comme buzz et tout ça. Petit exercice assez simple. Mettez en commentaire la date de sortie de Mojo Trône 2 pour savoir si vous suivez vraiment l'actualité de Didi B. Quelle est la date de sortie de Mojo Trône 2? C'est pour mai. Mais quand précisément, mettez ça en commentaire, on va voir si vraiment vous savez quand Mojo Trône 2 va sortir. Alors sur l'album, franchement, on va faire une petite vidéo pour essayer d'en parler. Une première écoute, peut-être si possible et tout ça. Mais bref, Didi B est de retour et il semble prêt à pouvoir titiller tout le monde dans le rap ivoirien. Petit tacle caché à Billy Billy parce que mettre comme numéro 1 du rap ivoirien Billy Billy et Ramba Junior, on sait tous que c'est une blague. On connaît Didi B. Didi B, on te connaît. On sait que tu es du genre à taquiner. Et vu que maintenant ton professeur c'est Booba, forcément que là c'est un autre niveau. Tu vas monter encore plus dans le niveau des pics et des classes qu'il faut lancer de gauche à droite. Pour l'instant, Billy Billy n'a pas encore réagi officiellement, mais forcément il va réagir parce que être comparé à Ramba Junior, vu les années de carrière de Billy Billy, c'est chaud. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions concernant cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et aussi, n'oubliez pas, mettez en commentaire la date de sortie de Mojo Trône 2 pour qu'on puisse savoir si vous suivez vraiment l'actualité et si vraiment les fans de Didi B sont présents sur cette chaîne-là et sur cette page. Sur ce, max de like, max de partage. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes comptes Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Partout, c'est ArchiDuJeff. Tout s'écrit de la même manière, Jeff avec un seul F, J-E-F, tout simplement. Sur ce, max de like, max de partage, restez abonnés, restez connectés. Bye, cordialement, Jeff. Okay.